pour partie étant professionnel de la sécurité, que de toute façon on va devoir dégager. Après, c'est une question de moyens. Je ne veux pas avoir employé les gaz ni les grenades. On a nos donc la poussette, qu'elle soit 5 minutes, c'est bien. C'est des menaces. Oh là là, c'est des menaces. Oh, les conditions quand même d'emploi de la force. Pour nous rappeler que les blessés, ils sont à l'hôpital. Ils sont allongés là-bas. Ça, c'est des blessés. D'accord. Et quand on va être parti, vous allez devoir rentrer dans la prison pour, pour l'occuper parce qu'on ne sera pas là. Vous allez vous grenader tout seul. Vous avez des fonctionnaires. Chez vous. On a des fonctionnaires. On va la jouer. Nous, on est surveillants et fiers de l'être. Il y a pas, vous avez bien raison d'être fiers de l'être. Avec sifflet ou alors sans sifflet, on est là. On est policiers et fiers de l'être également. Donc j'espère que vous avez bien compris le sens de mes propos. On va rester dans une poussette symbolique, sinon on va être vraiment obligé de grenader. Collègues et pour protester contre leurs conditions de travail devant la prison de Condé-sur-Sarthe. Les CRS sont arrivés il y a quelques temps pour donner une poussette symbolique d'après le directeur départemental de la sécurité publique. Mais les surveillants semblent bien mobilisés, bien déterminés à rester sur place quoi qu'il arrive. Parce que je commence à plus venir là. Elle est où la putain là? C'est dingue.
Comme vous le voyez peut-être sur ces images, les CRS sont toujours derrière, à attendre les ordres pour intervenir. Alors, Karine Loyau, on n'en parle même pas dans les médias. Si, la preuve, pas bon. Alors nous a... le collègue d'hier qui avait fait un malaise cardiaque pendant la manifestation a été transporté à l'hôpital en étant conscient, il va bien. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il va bien. Continue d'éteindre les barricades situées juste à côté de moi. Comme je vous le disais dans l'autre live, il y a une première barricade qui s'érige juste ici et une deuxième barricade un peu plus loin avec une bonne centaine de surveillants mobilisés pour défendre ces barricades. Thank you.
entendez les surveillants chanter Arnaud Beltrame. Ils essaient de rappeler aux policiers qu'eux aussi ont eu des blessés dans leur rang du fait du terrorisme. Et essaient de manifester leur sympathie auprès des gendarmes. Les gendarmes mobiles commencent à enlever les barricades. Les gendarmes mobiles commencent à mettre leurs masques. Ce qui pourrait s'initier une intervention avec des gaz. C'est à Condé sur Sarthe. Les gazeuses ont été sorties. Les manifestants s'agrippent à la barricade. Deuxième attaque terroriste dans les prisons. On a le choix entre les couteaux et les gazeuses. On récupère ceux qu'on nous a envoyés. Deuxième attaque terroriste. Mettez vos bonnets ou en fait vos gants autour de vos bonnets. Les manifestants semblent reculer la barricade. Pose la gazeuse. Olivier, les gars.
Barricades et se massent devant la grille. De l'autre côté, sur l'autre barricade, rien ne se passe pour l'instant. C'est pas nous les méchants. La grenade a été jetée par terre. Il n'a pas été tiré par un lanceur. Donc à bout portant, oui et non. Vous en prenez plein la gueule aussi, regardez. Vous en prenez plein la gueule. Les trois quarts, on est déchirés. Et nous on a des clés, on a un triplet. On a juste un triplet.
Vous avez des gazettes, on a un sifflet. Deuxième grenade lacrymogène vient d'être lancée. Une troisième. On a un sifflet. Comme vous voyez, certains surveillants s'accrochent aux barrières. Et donc, ils ont été les CRS ont utilisé deux autres grenades lacrymogènes. Je suis désolé, je vais m'éloigner un peu. Allez, on y retourne. Allez, on y retourne, les gars. Allez, ça arrive, on s'en fout. Deuxième attaque terroriste dans les prisons. On peut crever tous les jours, ça revient avec ce collègue à vous. Derrière, 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 derrière. Eh, recule. Il profite du vent. Effectivement, le vent repousse le gaz vers les manifestants s'ils sont tirés derrière. Ah non, gars, non. Gaz. Toi, je suis désolé, je m'éloigne un peu, mais. Merci les gars, c'est cool. Allez, on y retourne, les gars, on y retourne. Allez, les gars, on est reparti. Il y a de la détermination là. Une nouvelle fois. Après les bombes, les grenades lacrymo. Nous tous les jours on va là-dedans, sans équipement nous. Tous les jours avec de la vie, sans équipement. Merci les gars. On sait que vous êtes des hommes et tout. Et on est en bleu. On est en bleu. C'est quoi les gars? On t'a pas
Voyez où là, on nous prend. Il est capable de reprendre sa bouche.
Regardez les gars, on a main nue. Quand vous verrez vos collègues plein de sang, gisant par terre, vous réagirez la tête. Ce qui nous plairait, c'est que vous soyez avec nous. Le bouclier, vous êtes avec nous. Les gens vous attrapaient derrière, vous les mettez à l'intérieur, on s'en occupe. Le premier s'est passé couché en agression. Le collègue s'est fait transpercer la gorge de part en part. Juste pour vous donner la gravité, c'est le raid, c'est le raid qui est à l'intérieur. Pas blessé les gars, on blesse personne. C'est eux qui nous blessent. Avec mon sifflet, je vais pas faire grand chose. Pas d'eau. Quentin, Jamais. Quand on voit tous les moyens qu'ils ont à l'intérieur, c'est inadmissible. On pense à nos collègues. Vous n'allez rien lâcher ? Rien. Merci. Spécial de la police qui pratique dans le milieu pénitentiaire, qui viennent relayer leurs collègues qui gèrent un service minimum à l'intérieur du centre pénitentiaire. De compter sur ça. Alors, France Télévisions est sur place par exemple, les médias en général sont sur place, la preuve je suis là, BFM TV est là, enfin, il y a du monde pour couvrir l'événement. C'est pas parce que je suis en direct que personne d'autre ne le fait. On voit les Eris rentrer. Bonne garde. Vous vous soutenez, vous ne voulez pas grand chose, vous demandez un petit soutien. Des coups de ton frère, des coups de pied, ça va, ça y va. Les stagiaires du surveillant pénitentiaire viennent de rentrer dans l'établissement sous les applaudissements de leurs collègues mobilisés.
Ferrat est rentré, c'est beau. Faut-nous ta fils de pute. C'est quoi ce faut-nous-en. Faut-nous ta fils de pute. Là, il voulait nous faire la morale, c'est pas bon. C'est surtout ça, vous voulez. Que vous rentrez, ça pose aucun problème. Ok. Merci, Balou. Pardon. Ça va? Ouais, ça va. Pas de gueule non plus. Donc on est toujours dans une sorte de statu quo entre les CRS qui empêchent les surveillants de reprendre la barrière et les surveillants qui les alpaguent et leur demandent du soutien. Les priorités de l'administration et de la ministre. Revenez à part ton mère, on sera là. Nous, on peut plus les exécuter, on a pas ce que je voudrais. Vous devriez avoir honte de vous, les gars. Eh ben non, mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y en a certains, ils vont demander des infos sur la pénitentiaire après pour venir. Dans quelques années, il y en a qui seront avec nous à l'intérieur. Ils en auront assez de le casser du civil. Ils vont vouloir le confort de la pénitentiaire après. Il est là-bas, ouais. Allez, fragile, c'est tout. Non, Alors comme je le disais au tout début du live, donc pour ceux qui le rejoignent, il y a une bonne centaine de surveillants qui étaient présents. Un peu moins maintenant devant les gendarmes mobiles, mais il y en a qui sont un peu partout par devant la prison qui essaient de récupérer un peu. Toujours ce statu quo. On aperçoit un des surveillants discuter avec le directeur départemental de la sécurité publique de l'Orne. Juste le monsieur en jaune qui discute avec l'homme au képi. Les forces de la gendarmerie mobile semblent être sur le départ. Je juge aussi ce qui va se passer.
Voilà, c'est le départ des gendarmes mobiles. De maigres applaudissements de la part des surveillants. Alors, quand je parlais de poussette symbolique, entre guillemets, c'est parce que je citais le directeur départemental de la sécurité publique de l'Orne qui avait lui-même proféré ces paroles en disant que si des surveillants acceptaient de se faire déloger, ça ne serait qu'une poussette symbolique. Je citais donc le directeur départemental de la sécurité publique de l'Orne, c'était absolument pas mes propos. Peut-être pour Marco. Montrer la différence de propos entre voilà, on peut dire les deux. On aime le gaz, oui. T'es trop vieux pour ces conneries. Allez, visez, Marco, allez, visez. Juste après le départ des forces de l'ordre et des gendarmes mobiles, les surveillants reconstituent une barricade de pneus devant l'entrée. Cinq ans, j'ai pas touché une cigarette. Comme vous le voyez, les choses rentrent dans l'ordre au fur et à mesure. Le portail d'accès aux véhicules est rebloqué. Et l'accès aux pénitentiaires et ici aux familles en visite, lui, reste bloqué. Aujourd'hui, la mobilisation est d'autant plus importante que le vendredi est un jour de parloir pour les familles des détenus. Et si le blocage persiste, il risque d'y avoir quelques problèmes. Désolé, je suis un peu fatigué, un peu gazé. Je vais couper le live ici. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et on revient de toute façon dans la journée sur Ouest France, Alençon, pour faire le point sur la situation. Normalement, c'est bon. Bonne journée.